Direction Marseille. Le blocage est terminé. 60 remorques, la capacité maximale, entrent dans les cales du Daniel Casanova. Dès la levée de la grève, la direction et les personnels de la Corsigalinea se sont activés. Ici, à Ajaccio, le but est d'obtenir un retour à la normale au plus tôt. Nous avons une zone portuaire sur Ajaccio qui était arrivée à saturation avec plus de 150 remorques qui stationnaient sur parc. Donc nous avions le Daniel Casanova qui était sur Propriano, qui est remonté en début d'après-midi. Et nous sommes en train de charger une soixantaine de remorques pour être acheminés sur Marseille ce soir. Le retour à la normale avec des horaires habituels, c'est pour quand ? C'est pour demain. Dès demain matin, le retour à la normale sur l'ensemble des traversées. À Marseille, en début d'après-midi, les marins CGT réunis en assemblée générale à bord du Méditerranée ont voté la reprise du travail. Ils ont obtenu la sauvegarde de leur régime de retraite. Le gouvernement le leur avait promis le 17 janvier dernier. La confirmation est tombée hier à travers ce courrier, co-signé du secrétaire d'État en charge des retraites et de son homologue des transports. Les marins dérogeront au droit commun et pourront continuer de bénéficier au titre de la pénibilité et des risques du métier d'un droit au départ à 55 ans à partir de 15 ans de service. La CGT a également obtenu un accord écrit des actionnaires de la Méridionale et de la Corsigalinea concernant le partenariat entre les deux compagnies pour la desserte de la Corse. Le blocage terminé. Désormais, l'heure est au bilan économique de la grève. Dans un communiqué, la préfète de Corse s'engage à aider les entreprises confrontées à une baisse de chiffre d'affaires, à des difficultés d'exploitation, voire des interruptions d'activité.